Bonsoir, depuis Studio 4 La Voix d'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Belizère. Yon plaisir, l'autre fois encore pour nous ensemble, pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtien, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. États-Unis, gros manifestation devant Capitol Hill là, dans le moment Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a justifié la guerre Israël contre Hamas là devant deux chambres congrès réunies. Toujours ici aux États-Unis, président Joe Biden a parlé pour le mettre à soi et un message devant le peuple américain dans la première apparition en public depuis qu'il était testé positif pour COVID-19. Vice-président Kamala Harris trouvait dans Indianapolis dans le cadre de campagne pour joindre aval délégué pour représenter le Parti démocrate là dans l'élection novembre. Et puis dans le pays d'Haïti, Premier ministre Gary Conny rencontrait plusieurs secteurs sur l'état d'urgence sécurité qui touchait deux départements à 14 communes. Et c'est point ça yo avec l'autre encore nous pas le développer pour dans un petit moment gros nouvelle là c'est Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui lui-même les prend la parole devant deux chambres congrès réunies jodia côté que non seulement lui expliquer et guerre pour qui ça l'a mené Israël l'a mené guerre contre Hamas là pendant que lui-même lui dénoncer monde qui pas dans même position avec en allant rejoindre Valerio Seloui. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu t'a fait louange pour unité États-Unis avec Israël. Et il t'a fait louange président Joe Biden dans un discours qui t'a chauffé en pile devant le Congrès jeudi mercredi, qui t'a provoqué un boycottage par plusieurs gros démocrates et qui t'a attiré plusieurs milliers de manifestants devant Capitole là pour condamner la guerre dans Gaza avec crise humanitaire que l'État a créé. 9 mois après la guerre dans Gaza, Netanyahu a cherché à renforcer support États-Unis pour continuer la bataille pays contre Hamas et l'autre groupe armé que pays Iran a appuyé. Because when we stand together, America et Israël doivent camper ensemble. Les nous camper ensemble, nous bagay vraiment sans privé. Nous gagnons et yo perdi. Benjamin Netanyahu te mette sous vesli yon broche à drapeau israélien et américain sous New Bord et sous l'autre bois yon broche jaune qui exprime solidarité avec otage israélien que Hamas kembe. Benjamin Netanyahu te entré dans la chambre assemblée américaine jeudi mercredi après-midi et puis te recevoir une ovation dans main tout des partis yo. Seulement quelques démocrates qui te chita pendant tout l'autre monde t'a bat bravo pour lui. Yon nan démocrate sa yo, c'était député Rachida Talaïb. C'est celle palestinien américaine dans le congrès. Les républicains ont applaudi Netanyahu avec enthousiasme pendant que le parti démocrate là, dans la chambre, n'a moins enthousiaste yo même. Puis fon nan démocrate yo te campé avec bat bravo, mais yo te moins vle baye premier ministre Israël là, yon salutation enthousiaste. 6 moun qui te nan galerie qui baye sous espace chambre côté d'histoire table déroulé a, te mette sous yo mayo qui dit gère contrat kounia. Une façon pour demander Netanyahu pour joindre un contrat pour retourner otage. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. N'a pas demandé Valerio pour le parler. Valerio, c'était un discours qui était très long et grand pile l'autre gros point que l'été abordé dans la question, notamment guerre là, notamment Takouso deal et collaboration, coopération avec les États-Unis. Pour lui, il dit que États-Unis a prêté un allié indispensable pour les États-Unis. Dis-nous l'autre point encore que nous peut-être capable de signaler encore pour les téléspectateurs, Valerio. Tout à fait, Jacques. L'autre point que nous avons signalé, on précisait que c'est 4e fois que la parlé devant le Congrès. Eh bien, on a commencé un discours, un discours qui a duré, Jacques, à peu près 1 heure de temps et plus. Il était rappelé attaque que Hamas a fait jour 7 octobre, année passée. Il parlait de 250 otages, et qui parmi eux, il y a 175 qui ont libéré, et 6 autres otages qui étaient sauvés. Il y a un otage, ça, qui est Noah, il était dans la salle, là, pendant qu'il a fait discours, il était chita, bon côté madame, lui, Sarah, et il y a plusieurs autres familles otages qui ont même tout été dans la salle là. Les qualifiés militants Hamas qui ont fait attaque ça, de monstres. Et c'est des monstres qui ont les remercier président Biden pour aider dans la libération otages et support pour Israël. Les présenter tout, Jacqueline, quelques membres de l'armée IDF Israël là, qui ont même tout été dans la salle là. Les qualifier de soldats courageux et les présenter comme des applaudissements. Nous t'avons applaudi soldats ça. Famille soldats israéliens ça, t'es présent tout dans la salle là. Les promettent avec en pire conviction que j'ai dû attaquer au pape, j'aime faire encore dans le pays Israël. Merci Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis qui t'a banné une idée de discours ça que Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait devant deux chambres congrès réunies jeudi. Et en absence, c'était un monde qui t'est brillé par absence, si bien que y a plusieurs démocrates qui partent là.
mais eh ben t'es gagné et Kamala Harris qui jouait rôle et président Sénat, eh ben le patla t'es gagné obligation électoral qui fait que le patla, mais et d'après on note qui sorti bon la Maison Blanche, eh ben l'a gagné quand même pour le rencontrer avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et puis n'a pas signalé tout pendant que et premier ministre israélien lui-même l'étape fait discours devant deux chambres congrès réunies, t'es gagné en pile manifestation qui t'a fait dehors pour dénoncer guerre que Israël a mené contre Hamas là, et puis avec quantité moun qui mouri nan Gaza, et yo parlé de konya d'après dernier chiffre li presque rivé 40 000. Donc on a rejoint gentil Augustin Junior qui lui-même était présent dans manifestation ça jeudi 24 juillet 2024 là. Nous là dans Pennsylvania Avenue côté un groupe pro palestinien réuni pour venir manifester contre présence Netanyahu qui en dans congrès a qui a présenté un discours devant parlementaire. Un palestinien qui vit aux États-Unis t'a parlé avec nous et t'a expliqué nous pour qui ça li présent dans manifestation ça. I'm here is to protest. Moi ici là pour protester contre moun sa yo qui quitté Benjamin Netanyahu vient parler devant Congrès États-Unis. Yon chef la guerre qui commet génocide. C'est yon honte pour États-Unis. Et moun ki kite le vin parler là, li derrière massacre qu'a fait sur peuple palestinien yon. Ak fami mwen l'autre bord. Nan yon pan li pa représenté sa nou koué. Li pa représenté sa nou vle. Nou vle otage yo tourner joine nous. Nous voulons bataille yo suspend kounye a même. Nous voulons entente là. Nous voulons un état palestinien. Nous voulons la paix. Nous protestons contre lui. Nous voulons dire nous voulons deal pour accepter entente là. Nous voulons ouais otage la caillou et nous ici là pour encourager li faire ça. Moi te mande il ou gen famille ou parmi otage yo, li répond oui, frère moi c'est un otage là-bas. Et puis, bon frère tout. Je te dis là, pas de gagner seulement une manifestation pour palestinien, tu gagne israélien yo qui était dans l'autre bord pour protester contre guerre qui dans Gaza parce qu'il a demandé Benjamin Netanyahu pour signer un deal côté que médiateur yo te chita yo fait ensemble yo façon pour gagner un cessez-le-feu et puis libérer otage. Donc yo vinn la jodia, c'était pour mander Benjamin Netanyahu pour kembe dil la, libérer tout otage, suspend avec guerre dans Gaza. Bien tout qui vini, c'est pas seulement pour ça, mais yo vini pour dire Netanyahu, li pa gen place encore dans tête gouvernement Israël là. Moi c'est Gentil Junior Augustin depuis Washington pour VOA Creole. Merci gentil qui t'es dans mi-temps manifestant Sayo qui t'a dénoncé guerre Israël Hamas là et qui t'a voué parole Pimambouk contre premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui saute prend la parole là devant deux chambres congrès réunies et font dit tout en absence et Kamala Harris qui lui-même est dans campagne pour expliquer eh ben pour chercher plutôt vote délégué pour le représenter parti démocrate là dans élection novembre 2024. Et puis pendant que premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui-même là il t'a fait prendre la parole devant le congrès, eh ben guerre Israël Hamas là a continué et gain bilan que qui sorti dehors. Nous gain Jean-Robert Philippe qui a suivi pour nous de très près et dossier ça. Donc Jean-Robert Philippe parallèlement à discours Netanyahu eh ben dans région Moyen-Orient puis précisément dans Gaza, eh ben coup de zam continue à tirer. Effectivement Jacqueline, discours a pas calmé et conflit a qui gain que Benjamin Netanyahu, que premier ministre Benjamin Netanyahu qui était derrière. Et c'est comme ça, non seulement quantité de monde qui mourit sous le territoire Gaza continue à augmenter, mais tout gain l'autre qui fait bouder cap fait tout entre Israël par exemple avec Hezbollah et puis tout gain tout et l'autre groupe outilio qui eux même basé dans Yémen et c'est là encore eux même il y a protéger tête, mais entre temps, tout, il dit que il a continué pour essayer d'attaquer Israël, mais Israël, qu'on y a une position que de mener attaque sur plusieurs fronts, non seulement dans le territoire Gaza, mais tout dans Yémen, avec dans le Liban.
Quantité de monde qui mourit dans l'attaque force israélienne lancée dans le territoire Gaza depuis octobre 2023 a dépassé 39 000 d'après l'autorité de la santé dans le territoire Gaza. Force israélienne continue l'opération. Dans le moment où le premier ministre israélien trouvé dans Washington, côté il prend la parole devant le Congrès et puis rencontre le candidat Parti démocrate et Parti républicain avant le déroulement de l'élection novembre. Dans le jour qui passe, l'armée israélienne a tué 23 monde et blessé plus passé 91 autres pour mettre quantité blessée dans presque 90 000 depuis la guerre a été commencé en octobre 2023 après militants Hamas ont attaqué quelques villages israéliens côté tué 1200 monde et puis prend en otage plus passé 200 israéliens avec étrangers. Force défense israélienne a publié une déclaration lundi pour demander évacuation population qui vivent dans une série de zones alentour Khan Younis. Brigade Al-Qassam, qui est branche armée militaire Hamasio, déclaré lundi que combattants ont frappé trois tanks avec un bulldozer l'armée israélienne en partie l'est Khan Younis. D'après groupe militant, combattants ont été entrés dans une lot laissé frapper avec l'armée israélienne côté ont fait en pile blessé dans un soldat qui a cherché des tours. Oui, un tunnel groupe militant. Pendant ce temps, dans plusieurs villages éloignés avec la communauté tout près frontière Sud-Liban, soldats israéliens avec combattants Hezbollah ont passé plusieurs mois, l'un après l'autre. Depuis le commencement de la guerre, dans le mois d'octobre passé, deux parties ont boucanté coup de roquette, coup de mortier, missiles avec frappe aérienne. War is almost the same for the last 9 months. We had good days of us hitting Hezbollah, we had bad days. Lieutenant-colonel israélien d'OTAN déclaré guerre à Hezbollah presque été même gens pendant tous 9 derniers mois. Nous passons un bon moment, les nous attaquons le groupe Hezbollah, mais mauvais moment tout, les nous frappons nous. C'est même situation pendant tous 9 mois. Pendant le week-end passé, un groupe milicien Houthizio qui est basé dans Yémen et qui, même gens avec Hezbollah, qui support Iran, a lancé un appareil téléguidé dans Tel Aviv, côté autouillé, un monde dans une explosion. Un jour après l'attaque, les forces israéliennes répondent kif-kif et frappent sur position Houthizio gagné dans Yémen. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Donc jeudi 24 juillet 2024 là, c'est deux grands événements majeurs qui a passé ici à Washington, notamment nous attendons de visiter premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait de dans Washington et côté que il était prend la parole devant deux chambres congrès réunies et puis à soir après le gagner président Joe Biden qui prend prendre la parole depuis bureau ovale la Maison Blanche là en Aloua Sapibri. Président Joe Biden paraît pour le prendre la parole depuis bureau ovale la Maison Blanche là nan moment côté pifo famille américaine yo a plakayo ça relé yon heure de pointe. Président démocrate là a mette discours ça devant peuple américain quelques jours après l'été annoncé décision li pour lire à l'école nan course là pour yon deuxième mandat dans la Maison Blanche. Président Biden fait annonce là dimanche 21 juillet 2024 là pendant l'été nan kay vacances li nan Rehoboth Beach nan Delaware côté l'été en quarantaine. Dans isolement parce que il était testé positif pour COVID-19. Full comprehensive medical report. Attaché de presse la Maison Blanche là, Karine Jean-Pierre, t'es fait connaître que président t'es senti quelques symptômes et tout petit, il était continué à exercer fonction correctement. Dernière fois moun t'es ka ouais président Biden en public, c'était mercredi soir, là il était arrivé dans base aérienne américaine nan Dover nan Delaware, après il était testé positif alors que l'étape menait campagne avant ça dans même jour nan Las Vegas. Docteur président Kevin O'Connor fait connaître que président finit avec 10e dose médicament anti-COVID Paxlovid et que lui continue exercer fonction lui comme ça doit. Docteur a précisé symptômes complètement disparaître, tension artérielle lui, rythme respiration avec température normale et poumon lui clair. Moins que yon mois avant convention parti démocrate là dans Chicago, État Illinois, président Joe Biden, 81 l'année, ra l'école comme candidat parti démocrate là pour élection présidentielle novembre, dans quelques semaines après yon mauvais performance dans un débat contre rival républicain Donald Trump. Mauvais performance ça a été déclenché appel public et privé parmi yo démocrates qui gagnent en pile influence pour retirer colle dans course là parmi personnalités ça yo gagnent ancien président Barack Obama, ancien président chambre députée Nancy Pelosi et yon paquet l'autre allié président Biden.
En pile analyse prévoit nan adresse ça que le pral mette devant nation depuis la Maison Blanche, un président Biden pral endosser officiellement Kamala Harris pour représenter Parti démocrate là dans élection présidentielle 5 novembre 2024 là. Et puis réaction continue à tomber après que président Joe Biden lui-même prend décision pour aller à l'école dans course présidentielle là. Nous t'allé déjà dans New York, nous t'allé déjà dans l'autre côté côté gang et haïtien, mais qu'on y a nous pral dans Atlanta avec Yumi Janet qui parlait avec quelques haïtiens qui dans communauté qui peut-être dans Atlanta. Depuis le président Joe Biden annoncé retrait li dans course pour Chesbourg et Maison Blanche là dimanche 21 juillet qui s'est passé là. Nouvelle ça a pas suspendre provoquer en pile réaction dans la communauté haïtienne dans la diaspora. Quelques citoyens t'ont opiné sur comment yo wè avenir immigrant yo après nouvelle ça. Me pense pas gain qu'à sauter, pas besoin gain qu'à sauter parce que yon programme n'a pas à dire que c'est seul Biden qui t'a fait programme non. Marché une fois que Biden sorti, n'importe monde qui pas capable continuer. Mais yon moun pa besoin faire aucun kè sauté et même que Donald Trump ta élu comme président tout. Programme nan ka toujours continuer. Donc retrait président Biden nan prochaine présidentielle américaine yo ou pa gen gros impact en zandra sou nou comme immigré et surtout sou moun ki bénéficie du programme Biden nan. Nous capable nous recevoir nouvelle ça c'est un coup son blanc qui t'a boui et pour vivre dans le fret là-dedans ça a été stoppé ça a été en termes d'avenir donc quand pile doute donc soit avenir disons pas de nécessité pour ça parce que programme là son programme qui est approuvé par président Biden qui toujours continue à travailler à marcher c'est vrai gagner suspension gagner petit murmure gagner comme si petit pas en pile. Mais réalité, c'est que programme n'a pas campé. Et forme de bien, l'hypothèse non président Biden, mais c'est pas un programme que c'est président Biden qui décide seulement pour faire. M'a dit au tête frère, pas gain le pire qui va le passer. Bon, situation a toujours été même gens. Et si toutefois que résultat élection en ta venir dans l'autre bois parce que m'a bon menti, nous tout qui là comme secrétaire Omelet l'a dit, vous comprenez, il dit comme ça qu'il y a environ 300 000 moun qui là. 300 000 moun ça tout le temps, mais que c'est dame qui passe, c'est le passé. Yumi Janit pour VOA Creole, Atlanta. Merci Yumi, rete branché, actualité à dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Merci d'être toujours été branché à lorsque nous présenté au rendez-vous info, yon programme d'actualité qui passait sorti lundi pour arriver vendredi sous au Acréole. Actualité dans le pays d'Haïti, chef gouvernement et docteur Kony et Gary Kony a rencontré diverses entités dans la société haïtienne dans l'idée pour consolider action qui visait état d'urgence sécurité à qui décrété sous 14 communes dans deux départements l'Ouest à Clatibonite. Yves Manuel. Premier ministre Gary Kony réuni mardi 23 juillet 2024 là dans résidence officielle là avec responsable police nationale d'Haïti, force l'armée d'Haïti avec l'autre personnalité dans gouvernement pour discuter de état urgence sécurité qui décrété et sous situation sécurité dans pays d'Haïti. Réunion ça gain pour objectif consolider action gouvernement qui visait renforcer état urgence sécurité qui décrété sous 14 communes dans département l'Ouest avec la Tibonite. C'est des occasions pour locataires primatiens avec équipe articuler synergie qui nécessaire pour faire face à crise sociale, sécurité et humanitaire actuelle qui a prolongé pays. L'immobiliser même gouvernement pour appuyer initiative ça qui visait instaurer la paix dans pays d'Haïti. Docteur Gary Kony estimé priorité actuelle gouvernement c'est résoudre crise sécurité hein. Li compter sur implication même population avec tout secteur dans vie nationale là pour capable river fini tout bon vrai avec violence armée qui a ravagé pays.
N'a souligné pendant journée madian, Franz Termilus, c'est nouvel inspecteur général en chef police nationale d'Haïtien qui installé commandant en chef police nationale. La fait qu'on est nomination ça visé souffler un souffle nouveau dans l'institution. Il insiste sur nécessité pour un leadership qui conforme à exigence moment pour une police qui sain et qui respecte la loi et éthique. Franz Termilus, bon côté pâle, prend engagement pour appliquer sanctions selon la loi et le promet pour accompagner personnel PNH là dans mission. Il souhaite renforcer intégrité et efficacité institution. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves, n'a prêté toujours dans Port-au-Prince côté plateforme politique réveil national, principale structure opposition dans le pays d'Haïti, mandé pouvoir en place là chercher bloquer van côté zam ak munition yo a sorti pour résoudre problème insécurité. Renan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince là, capitale pays d'Haïti. Porte-parole plateforme politique réveil national là, pasteur Théodore William qui c'est tout conseiller parti politique solution quoi. Même si à travers état d'urgence sécuritaire, la police, l'armée d'Haïti en soutien à la mission multinationale a mené des opérations dans fief bandio, ça pas résoudre problème insécurité si gouvernement pas chercher bloquer van côté zam ak munition yo a sorti. Jou yo bloqué sous côté zam yo a sorti. Les zam a connait commencer à attaquer insécurité. Jou yo bloqué côté munition yo a sorti ya. Les zam a connait yo attaquer insécurité. Et immédiatement l'état commencé montrer autorité. Zam va ka rentrer encore, dit me prend contrôle ayo port, me prend contrôle port yo, me prend contrôle douane et l'état commencé montrer ses autorité. Et immédiatement li camper comme ça, ti monsieur Kamba yo a obligé ranger corps yo. Parce que les ça di ket zam pa ka vinn joine yo encore, munition pa ka vinn joine yo encore, yo pa ka goum camper goum mais contre l'état, les ça l'état y a di l'état eh bien qui sauve nous fait. Mais immédiatement c'est eux même ou al joine avant zam a toujours vini. C'est pas longtemps non là youn nan chef de gang très puissant dans capitale là. Ils sont à exhiber quantité zam li fait gagner. Côté yo sorti, qui souci yo. Pour qui ça l'état pa prend contrôle douane. Laissez monsieur ça fait zam. M'pense que c'est là nous voulons parler. Bon côté parle Fito la fleur respectivement président et vice-président parti politique solution à Rivière nationale souhaitait pouvoir reprendre contrôle territoire perdu et résoudre problème gangoua dans le pays d'Haïti. Peuple haïtien c'est au jour le jour où vivre si on pas sorti on pas ka manger on pas ka boire c'est pour nèg ta gon plan qui propre qui ka retiré dans ça pour mettre pays en confiance pays bagay. Deuxième bagay, c'est pour monsieur ta gon plan avec agriculture pour que nèg ta fait manger cap bon dans 3 mois, dans 4 mois pour que yo bay peuple la manger pour manger à parité sous vente étrangère, les rejoindre les pas jeune pas gain l'argent pour que peuple la ka manger parce que deuxième problème peuple la gain son problème manger. Un problème sécurité, deuxième problème c'est problème manger ou pas ka manger. Pendant ce temps, peuple haïtien d'après ça ou dit attend résultat état d'urgence sécuritaire que gouvernement en place l'a décrété dans environ 2 départements à 14 communes en d'un pays pour capable mettre bandits hors d'état de nuire. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint et nous remercions tous tes amis, téléspectateurs, eux même qui branchés dans moment ça sur plateforme nous, notamment sur VOA Creole, sur Facebook et puis sur toutes les plateformes que nous gagnons. Nous pour aller n'a prêté toujours dans Port-au-Prince dans pays d'Haïti, un responsable parti politique qui proche ancien sénateur élu Grandens Guy Philippe annoncé un levé campé contre pouvoir en place là. Massado Vilmé, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Pendant le gouvernement Gary Conille a multiplié GFO dans le cadre d'application encore 3 avril 2024, là, ancien responsable brigade sécurité air protégé BESAP, Jean-Tel Joseph, qui dressait un bilan négatif à l'égard autorité, a annoncé un levé campé contre pouvoir en place là. Près de 4 mois d'échec, 4 mois spectacle de la honte, 4 mois en rien pour le peuple là, tout pour nous. Ils ont fermé secrétaire d'État à la sécurité publique. Yo ferme porte ministère de l'intérieur. Bilan yo c'est zéro. C'est pour raison ça. Vin annoncer population jeudi 8 août. Nous a gagné
yon journée de levé campé général. De l'autre côté, Association Nationale Syndicat Transporteur Visionnaire Haïti ANSTVH ak syndicat Association Taxi Moto Haïti yo SATMO qui s'allie processus mise en place conseil électoral provisoire fait choix citoyen Rodolphe Pierre pour représenter secteur transport dans KIPA. Moi-même dans le secteur transport, son bail qui est extrêmement difficile pour nous. Et surtout dans l'ouest côté que nous gagnons presque 7 communes côté que transport vraiment paralysé. Mais nous arrangeons nous en gens parce que yo quitté nous pour compte nous presque pas gagne l'état qui pour aider nous, mais nous-mêmes nous arrangeons nous avec conjoncture pour nous malgré que nous travaillons et parce que c'est lui nous habitué à faire. Et ça fait que nous obligés à garder ou bien proposer ou bien encourager l'élection pour le fait là, d'en participer et faire choix. Nous probablement qu'à faire une bonne élection pour nous, pour demain si Dieu veut nous passer problème élection ça, problème insécurité ça, pas possible encore. Citoyen Rodolphe Pierre, c'est un syndicaliste. Il est un ancien conseiller électoral. Compétence li et dévouement li, renforcer conviction nous, dans nous commandons li devant CPTA et gouvernement bien connu là. Nous lui dit au groupe civil armé qui a évolué dans la commune Gressier bloqué depuis plusieurs jours. Route nationale numéro DA qui connecte région métropolitaine Port-au-Prince à 4 départements dans le grand site pays. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilmé pour VOA Créole. Merci Massia Dovilmé. Nous pratiquement arrivés dans fin programme. Nous avons rappelé que 2024 là sont année électorale ici aux États-Unis et nous sommes gagnés. Et convention parti républicain qui choisit et deux mouns qui pral sous ticket, c'est pour d'abord ancien président Donald Trump avec vice-président qui sont candidat à la vice-présidence, n'a parlé de J.D. Vance, et puis pral gagner convention nationale parti démocrate là lui-même qui fixait sous type 19 pour arriver 22 dans ville Chicago dans état Illinois, et nous connaissons depuis dimanche là, un président Joe Biden qui a abandonné Kousla. Donc c'est Kamala Harris qui a connu là, qui a cherché lui-même et aval délégué pour la représenter Patia dans le 5 novembre. Et puis, n'a pas rappelé que Jodia, vice-président de la Kamala Harris, qui pat kala dans le congrès à Jodia, il était dans Indianapolis, côté que il t'a rencontré avec un groupe que c'est un groupe sororité, qui c'est un groupe mesdames, qui Antonio, c'est des, qui historiquement noir, il y aurait les Zeta Phi Beta, et il y mandeo, pour yo al courir dans élection. C'était un moment tout côté que li choté sous ancien président ou bien rival éventuel rival en parlant de Donald Trump. Donc tous les deux partis yo a mené campagne pour arriver dans yon ligne droite, yon moment très important dans cadre année électorale ça et côté que yo pral Kokikon. À soir a gen un programme spécial sous VOA Creole à partir de 8h30, et c'est côté que président Joe Biden, depuis la Maison Blanche, c'est depuis 8h plutôt. À 8h, président Joe Biden pour délivrer un discours depuis le bureau ovale, la Maison Blanche, et côté que li pral et éventuellement parler de endossement Kamala Harris, et il pral parler tout de raison qui fait que li krason quitter ça dans course pour campagne électorale là pour te joindre dans deuxième mandat pour aller dans la Maison Blanche. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. C'était Nelson qui t'avait nous et Jean-Marc Hervé Abela comme chef de pupitre et m'a connaissé Chang Wang qui était derrière. Et nous dit merci. Donc moi c'est Jacqueline Belizer, pas oublier Pita et vers 8h n'a gain un programme spécial. Bonsoir tout le monde. Sinon avec rendez-vous info c'est pour demain. Bonsoir. National d'Haïti a mené des opérations surtout dans zone Gressier et un peu l'autre côté en dans pays pendant dernier temps ça yo. Et Michel Juge dit que la police là et différentes unités spécialisées yo UTAC surtout yo pas chômé. Soit team, une mot, BRI, BLTS, BLVV, yon pas chômé parce que yon continue à mener des opérations dans un ensemble de zones que yon connaît aujourd'hui, qui yon deux fois et deux gangs
que bandi mette moun sa ou en otage depuis plusieurs années. Et selon Michel Anjoujen, il clairement dit que DG a et la police, on dit que direction la police nationale d'Haïti joint instruction formelle bon côté conseiller présidentiel yo, bon côté et gouvernement koninan, pour que yo prend toute disposition pour yo et matraquer bandi yo, pour yo neutraliser bandi yo, pour yo démanteler bandi yo jusqu'à dernier goutte de sang yo. Et ça faut ouais, yon pile en pile en pile réunion travail qu'a fait là. C'est pour nous dire que dans journée qui t'a mardi 23 juillet 2024 là, gen un gros rencontre qui organisé entre gouvernement Koninan et chef CSPN nan, avec agent exécutif intérimaire, on dit que nok et 11 communes qui ont décrété état d'urgence sécuritaire dans l'Ouest paysan, et de l'autre autorité encore pour garder comment que yo pral participer, yo pral contribuer, nan permettre que yo rive vraiment rendre que état d'urgence sécuritaire que l'état lui-même décrété hein, pour capable démanteler et déchouquer bandi armé. Et n'a dit clairement que eh ben selon tout ça que nous apprenons, la police là, conseil présidentiel yo, y a travaillé la journée ou la nuit. Et dans ce sens, eh bien, il y a regardé comment que yo arrive à établir la paix et sécurité dans le pays. Hein. Laissez-moi dire nous clairement, ça qui a passé là. Gagné et population dans les 75, dans Catalpa, yo mobilisé, je n'ai quitté ma 23 juillet, hein, yo bay poids calé avec deux présumés bandits. Dans Delma 75, rue Catalpa, eh bien, moun nan Catalpa, yo ben bois calé avec deux présumés bandits, mais c'était autre côté m'a prendu. Mais puisque Gyongi la gueule t'a sauvé, eh bien, yo jouen deux ans, yo ben bois calé. Parce que yo jugé que nek sa yo sorti en bas la ville et yo vin monter zone Delma 75 et dans rue Catalpa, yo vin abay problème. Et dans ce sens, moun yo dit, pas gen dormi et pas gen côté pour recevoir bandi, depuis c'est bandouye, depuis c'est à tout foye, depuis c'est kidnappoye, eh bien, moun nan Delma 75 et nan pile côté en pays, yo mobilisé pour capable passer à l'action et bay bois calé avec différents bandi de Sivenes. Ben, situation dans OCNH, écrit une lettre tout ouvri avec conseiller présidentiel et premier ministre Gary Koni pour faire cas de ces situations insécurité qui existaient dans le département de la Tibonite et dans le département de l'Ouest. Selon OCNH, autant de monde qui victime à travers PIA et respectivement dans le département de la Tibonite qui pas gagné la justice qui en branle et la police a pratiquement et arrangé pour quitter Zonio, demandé avec et premier ministre Gary Koni et conseiller présidentiel pour yo goumé dans l'idée qui permettre yo régulariser question état civil yo tout dans le département la Tibonite et dans tout pays en général qui baille gros problème identité en Haïti côté moun yo pratiquement rivé dans l'âge majeur mais yo trouvé en difficulté soit pour yo faire acte de naissance ou bien pour yo arranger pour yo gen carte d'identification nationale et nous connaît kounia majorité juridiction gen disposition qui apprend spécialement dans arrondissement Semak et responsable à la police là et à travers une vidéo préenregistrée lui-même des concerts avec commissaire arrondissement et juridiction Semak là pardon maître Vincent François il a demandé avec chaque grand citoyen cap gain pour en circulation dans ville Semak ou bien arrondissement faut que gain une pièce qui pour identifier yo parler si là au cap marcher sans pièce d'identification c'est une infraction que vous fait avec droit pénal qui cap permettre qu'il en bon temps passer des quatre mirailles dans réfléchir jusqu'à ce que yo mener enquête sous identité la générale à pays d'Haïti dans Miami a organisé journée jeudi 25 juillet 2024 là yon journée porte l'ouvri sorti 9h et pour arriver 3h dans après-midi dans objectif activité si là c'est pour renforcer lien yo à communauté à dans ramasser ensemble information à doléances sous différents services que yo pral gagner pour bail avec haïtiens qui vivent dans communauté si là suite nous connaît un gros problème pour moun yo pratiquement gagner passeport et fait carte identification nationale et ben et nous dit que consul général là qui trouvé dans Miami la PC d'autre regarder que ce ça songe que premier ministre Gary Koni t'a annoncé et t'a promettre qu'elle t'a pas pris toute disposition et t'a bail instruction formelle qui t'a permettre au moins que yo résout problème passeport pour compatriotes nous qui en dedans pays ou dehors pays à les personnes. Je vous l'ai dit
et te gen rencontre gouvernement et plusieurs unités en dedans police nationale là te gen FADH qui te chita tout pour te discuter autour des consolidations qui ont ta faire en urgence pour rétablir sécurité en dedans pays pour premier ministre Gary Conny li pratiquement dégagé à travers des synergies actions nécessaires pour faire face à crise socio et humanitaire et sécuritaire que pays a fait face je ne veux dire blesse personne côté en pile haïtien trouvé dans situation extrême difficile. Pour sauver transition, et journaliste Gary Pierre-Paul Charles proposer et avec membre conseil présidentiel de transition pour être capable de stopper pratique de corruption qui gagne entre eux les personnes. Sinon, situation risquée paraître plus difficile pour Jean Takabie avant. C'est ça Gary Pierre-Paul Charles et dit à travers l'émission qu'il présentait. Journaliste et profiter pour inviter Premier ministre Gary Conny pour capable de jouer un consensus avec le conseil présidentiel pour être capable de gouverner et conduire le pays et très bien. T'as pour Jean en pile monde, t'as capable de souhaiter. Mais en pile de ça, il y a des gens qui font quoi? Et pour attendre, JPPC parler. C'est parce que l'hypoco jeune parti par là l'a ramené monsieur à l'autre parce que il est toujours en dans tout gouvernement pour faire l'argent et pendant il montrer que ses peuples à défendre mais content de beau voix fait et d'ailleurs je boule avec Michel Joseph Matéli et pendant Michel Joseph Matéli il dit c'est plus gros corrupteur dans pays en pile dans réaction qui vient après JPPC fin parler à cette personne il a pas regardé monsieur trop au sérieux par contre pour qui raison qui permettent que au parole au sérieux dans déclaration que les essaient d'autre faire blesse personne mais toutefois c'est un confrère des médias qui fait des propositions, nous-mêmes, nous relayer, nous partager information, monde qui prend au sérieux, apprend au sérieux, et c'est là qu'il va prendre au sérieux, il va venir avec des arguments pour montrer qui ça fait, il va prendre JPPC, Gary Pierre-Paul Charles, des Scoop FM, des Haïti Débat, qui ça va faire, qui ça fait que il va prendre très au sérieux. 47 individus joués à arrestation, 5 armes à fait saisie, 2.244 kilos cocaïne et saisi, c'est une quantité, marijuana, une machine, avec une motocyclette, qui est saisie, c'est bilan opération, la police, dans ce qui a mené, sorti 11 juin pour arriver 23 juillet 2024, là, parmi individus qui jouent arrestation ou blessé personne, et gain 16 présumés gangs, 5 trafiquants de drogue, 4 présumés assassins, et la trier, d'après, et Michael Falesco, qui se porte-parole, police considérant qui communiquait ensemble information ça avec la presse. Sous initiative, il y a un groupe pasteur évangélique qui a évolué dans la plaine, en bas, et stricti, qui portait nom feu l'unité, il y a une journée prière annoncée pour journée samedi 27 juillet, cap dîner là, et dans la zone bon repos, objectif, activité spirituelle, ça, c'est pour demander libération pour le pays d'Haïti, à tête ensemble, dans le temps, tout petit pays qui a retiré dans ça qui a passé là. Bon, puis le monde réagit sur ça tout. Il a dit qu'il y a un groupe spirituel pour le café, activité dans bon repos. Là, on connaît espace à les contrôler par les gangs. Quand ils mettent les policiers dehors et même tous les policiers, écrasés commissariat police en zone, est-ce que, et ensemble, regroupement religieux, si là, ils prennent arranger pour chercher autorisation des bandits qui contrôlent l'espace là. Dirigeant, dans le réveil national et pour souveraineté pays d'Haïti, ils prennent engagement pour capoter le régime en place là. Ils estiment qu'ils peuvent travailler dans l'intérêt de la population. Ils ont annoncé un mouvement mobilisation dans tout pays, 8 août, cap venir là, contre le gouvernement et Conny avec la CPTA. Qui pas qu'à et pour bas résultat avec situation difficile que pays a connu. Et faut qu'on dit, c'est Jean-Tel Joseph, ancien directeur à Naplan, qui parlait dans micro la presse à travers une conférence à qualité organisée. Mouvement grève paquetier dans Miragouane, il y a une grosse conséquence sous activité dans le tribunal et des pays et doyen tribunal première instance. Là, nous voulons parler de Gérard Nertelus qui dénonçait situation et demandait autorité dans plus haut niveau pour avancer plus vite que possible pour permettre que ensemble nous détenus qui dans prison pour pas souffrir parce que il y a une grève qui a fait à travers tribunal à travers grève tribunal. Première journée, ce qui était lié à deuxième journée examen dans le département de la Tibonite, li et ensemble responsable révélé qu'il pas gagné trop gros incident et pendant n'a rappelé gagné un professeur qui vivait kidnappé sur route nationale numéro 1 pendant le tap souci au Gonaïve. Nous voulons parler de Wilton Toussaint, tout en pile petit monde dans l'école nationale Lula Matinière dans Bouctier vers la Tibonite qu'on est sur Montoni et bandit coco à sanction pas négligé poser le loyer sur route nationale numéro 1 et faut que nous disions en effet la situation bandit grand griffe dans sa vie semble jouer une autorisation diverses autorités qui dans le département de la Tibonite pour remettre grand griffe Kafou Pay pour remettre poste de péage dans 5h de l'après-midi. Dans 5h de l'après-midi, dans mardi, ok, 23 juillet, Lixon Elan, avec plusieurs membres, dans la gang Nian, débarqué sur route nationale numéro 1, a fait vidéo pour demander chauffeur, bus, camionnette et
camion qui a transporté marchandises, yo mettre passer sans pièce problème, pas que moun k'ap tire coup de balle sur. En pile là moun yo, les autant de ça, yo pose tête question. Est-ce que c'est pas aller l'élection après aller ou mené vini parce que depuis des jours là, machine pas fréquenté route là et autorité ok dans la police pas jamais prendre disposition malgré si la responsable et base idmoi dans Balatibonite là qui dans Pachoal dans sous commissariat, eh bien il y a un problème de qui en parle depuis plus passé 3 mois jusqu'à présent. Autorité dans quoi mettre la police pas jamais prendre disposition pour permettre que matériel ça retourne pour venir travailler dans niveau département pour empêcher bandi faire ça ouvrir la situation. Et m'a ajouté des événements qui est commissaire divisionnaire France Termilus, qui est même désormais c'est inspecteur général en chef la police nationale d'Haïti. Il est remplacé dans pour ça et Fritz Saint-Fort. N'a dit que, qui est même occupé pour ça pendant 3 années, n'a pas été Fritz Saint-Fort, qui était inspecteur général de la police, non? Il était que 3 ans dans le job ça. Eh bien, avec arrivé DG Ramon Ormil, eh bien, gagné, changement qui fait côté que c'est Termilus France qui remplacé Fritz et Saint-Fort. Et n'a dit que DG Ramon Ormil, lui-même après, pour avec changement que l'a fait dans tête la police non lui même comme DG DG Venesse n'apprendre que gagner en pile disposition qu'après là avant autant pour que nomination et directeur nouveau directeur capable dit ensemble de ministères capable fait avant autant yo fait connait que l'issue pas trop loin sorti bien que gagne un ensemble des directions de ministères là yo tout dit mais qui est-ce qui ba yo ou jeune agriculture qui est-ce qui ba li ou jeune affaires sociales qui est-ce qui ba li ou joindre des ministères de défense qui est-ce qui ba li mais en tout cas li était pour nous temps li était pour nous suivre arrêter pour le sorti qui pour aller venir avec nom de monde qui yo même pral vini soit comme directeur mais comme directrice dans boîte l'état et série ministère nou yo. Est-ce que encore nèg continue à arranger yo pour que yo fait pays ça yo diviser en partage gâteau que yo vend pays ça en gâteau dit mais est-ce que vraiment c'est causé pays à régler parce que pas oublier jusqu'à présent débat continue à fait dans dossier parler en plus qui te gagné entre ancien PM Claude Joseph avec actuel PM Gary Kouni côté que essayer garder essayer analyser par rapport avec Kasuki Bas que c'est conseiller général Gilles qui t'a fait une rencontre informelle ni invité PM ni invité ancien PM ni invité tel monde et du coup t'a discuté bagaille pays on comprend que ville d'accueil gagné résidence officielle PM nan so qui ont ensemble de ministères vous avez c'est pas dans des ministères dans des bois l'état qui ont ta calchi ta balé pour qu'il a c'est dans chambre la caillou qui a discuté et pourtant des nettement que PM ou des gars nèg a dit PM comme ça ou connaît que si bagarre était comme ça si bagarre pas marcher comme ça on ca passer en opposition on ca faire si on ca faire ça c'est encore montrer traduire des Ivenes pas que bagarre pays que nèg doit régler bien que peuple haïtien en pile on commencer comprendre bien et nous même qui là à travers émission yo nous là pour capable ça ca passer et quel que soit monde que il y a pas venir mon ici, c'est information nous venons bay et c'est analyse que nous fait des Ivenes. En nous venons avec salutation mon yo et après ça, pour nous capables rentrer dans le développement information ou dimanche que pour nous aller dans la rien mon frère. Très bien, la situation nous a salué Emma Lunique qui rejoint l'équipe là, nous dit merci en pile pour écouter. Nous saluons Franzi Charles là, qui est toujours avec nous, nous dit le grand merci pour écouter à la fidélité. Nous saluons Ordenis Wilda qui est toujours grand chaîne, nous dit merci en pile. Elinor TV, grand merci parce que vous toujours avec nous, grand big up pour vous. Big up pour Janine Petit Homme qui toujours prié pour nous, qui toujours demandé pour bon Dieu béni nous. Nous dit Janine Petit Homme à nous recevoir la prière et nous dit merci en pile et bon Dieu a agi dans le monde pour nous. Nous saluons Jean-Robert Latou, Nego Kai qui est toujours avec nous, nous dit le grand merci. Nous saluons Gislaine Alexis qui toujours branché tout. Nous disons merci en pile pour écouter, ça fait nous plaisir. Nous saluons Franzi Mérisier. Merci Franzi Mérisier, ça fait nous plaisir. Et parce que vous toujours avec nous. Carole Charles, merci parce que vous toujours avec nous. Et nous saluons Will Lancholle qui toujours avec nous tout. Nous saluons Alfares Dossou qui passe pas branché. Nous saluons Lalanne Saint-Aubin qui toujours branché tout. L'explication qui quitte et commentaire dans le cadre d'émission qui nous gagne pour matin. Nous saluons Marie-France Elmonis qui toujours avec nous. Marie-Jasmin qui passe jamais raté. Marie Nozifort qui toujours avec nous. Roselyne Metelis qui est toujours avec nous, Fanny Moïse grand big up pour vous, merci parce que vous toujours branchez mes sacs nouvelles Blaise Info, Paris Nouvelle 24 Bassin Info, Racine Nouvelle Haïti. Nous saluons Emmanuel Ardouin, MSN, MSC MSA qui est toujours avec nous, nous dit merci en pile. Nous saluons Oscar Oduis, merci en pile mon frère, parce que vous toujours voyagez avec nous, ça fait nous grand plaisir. Ferdinand Gérald, merci parce que vous toujours avec nous. Nous saluons également et Wilgar Haïtienne, qui toujours branché, qui quitte commentaire dans 4 émissions qui n'était gagné. Immacula Verneus, merci, parce que toujours branché nous. Immacula Lafleur, gros merci, parce que vous toujours voyagez avec nous, ça fait nous grand plaisir. Nous saluons également Zamisa, nous saluons Lydiana Pierre, qui toujours branché, nous dit Lydiana, merci en pile, pour commentaire que vous avez quitté dans 4 émissions qui n'était gagné pour matin. Immacula Lafleur, merci en pile, pour écoute ou pour fidélité avec mes sacs nouvelles, ça fait nous grand plaisir. Chaque fois que nous voyagez, nous voyons toujours avec nous, ou toujours voyager dans 4
émission nous. C'est ensemble monde ça ou blesse personne sans doute qui t'est tombé en bas, qui t'est préparé pour nous partager salutation avec eux et toutes amis qui partent nous yo, il y a gagné pour yo faire geste là. Dans cadre émission qui n'a gagné là, il y a commenté, il y a quitté nous, il y a dit nous qui côté attendez et comment travail mais cette nouvelle là privé sur eux, c'est celle condition qui permet à qu'il pas rater dans salutation qui n'a bien pour nous faire dans émission qui venir après blesse personne. Effectivement, les événements jeunes détils tout à l'heure, c'est que, eh bien, d'après papa la police Saint-Michel-Ange du Jeune, qui c'est, et papa la police, monsieur, clairement, fait qu'on est sous plusieurs médias qu'il parlait pour dire que, parce que, Babli, il m'a posé question, comment fait que, et policiers kenyans ou là, différents idées socialisées, ça a passé, est-ce que la police a abandonné, est-ce que la police livrait Gantier, puisque depuis le week-end, nan là, et passé en la bandit, 400 maos au print, et commune Gantier, yo boule commissariat, yo courir derrière ensemble de moun, nan graissier tout, et bandit, yo, temps en temps, fait aller mener vini. Monsieur Long, ça qui dit bon côté Michel-Ange du Jeune, monsieur clairement dit que la police pas campé, la police pas chômé, et la police, et chaque jour qui passait, a mené des opérations, a fait des interventions, et en même temps, tout la police a étudié ensemble stratégie pour en qui façon, dans qui dimension, que yo capable au moins porter plus bonne réponse by bandit armé, by criminel armé. Puisque je dis, hein, situation qui est là, insécurité qui est là, c'est vrai que pas levé un bon matin pour dire que y a résoudre li, mais yo connaît tout, faut que de engagement, faut que de disposition réelle, adéquate qui prend pour que yo arrive mener bataille contre question insécurité. Hein. Bien que, dans la rencontre qui déroule, dans le journée dit 23 juillet 2024 là côté que gouvernement qu'on a dirigé en qu'il était chita parler avec diverses entités et différentes unités spécialisées tout en de la police nationale d'Haïti hein monsieur long que PM Gaïkouni et pas oublier tout c'est que présence officielle FADH la d'Haïti hein mais c'est dans l'idée pour capable consolider état d'urgence sécuritaire que l'état lui-même, l'été décrété, hein. Et PM Gaïkouni mandé que, pour que ça n'y ait une synergie, un mariage, une relation, concordat, une amitié entre différents, on dit, et forces légales, ou forces organisées de pays, hein, et population haïtienne, pour une façon que, y'a capable de river contre qui carré insécurité qui est là. Parce que selon PM Gaïkouni, il clairement dit que, état d'urgence sécuritaire, là, oui, y'a été décrété le mercredi 17 juillet, hein, mais ça n'a pas empêché que, y'a pas encore, vraiment capable dit gen un ensemble de aspects gen un ensemble de points que yo traité dans compte de yo et ben ensemble de points ça yo travail sur yo pour que yo capable calmer opérationnel état d'urgence sécuritaire là dans 14 communes j'ai te dit hein dans 11 communes dans département de l'Espéria et dans 3 communes en bas la Tibonite parce que jusqu'à présent on lui a dit, il y a pas qu'on senti, il y a pas qu'on ouais, on dit, et comme si état du gestion sécuritaire là. Elle dit, il y a pas qu'on ouais vraiment, parce que sinon, il y a aussi beau, c'est commencé, ouais, que, vous pouvez faire annoncer, et annoncer, il y a des zones là, c'est des zones, et interdit qu'il y a, c'est de, il y a de côté là, la police a mené des opérations, il y a des gens, c'est attendre, on y a ça, mais pas oublier que, nous toujours dit que, nek armé, yo, criminel, notre roi, yo, nek jio, gagné des dispositions qu'il apprend là, même je que la police apprend des dispositions, pour contre carré action et yo et bien en même temps tout et bien que ben dit yo qu'il était de barbecue à travers une vidéo monsieur parler que n'a pas pour nous donner dans notre émission monsieur dit oui monsieur persister c'est dialogue et il clairement dit que si yo pas décidé de dialoguer avec yo même comme vivre ensemble pour que la paix en notre pays mais pour vivre ensemble que la paix lui même faut faire la guerre mon bien pour que la paix en notre pays. Barbecue dit, autorité doit négocier avec vivre ensemble pour que yon arrive à établir la paix dans le pays. Mais kounya, pour yon même comme bandit criminel, pour yon la paix en bas, yon en foyer de gang, yon, eh faut yon fait la guerre avec autorité force légale, yon, pour yon capable de la paix yon même. Donc là, entre permettre que yon la paix dans le pays, j'en que barbecue dit là, et permettre que yon yon la paix yon même, et qui ça là donc que autorité a choisi? Qui ça différent, on dit conseil présidentiel? Qui sa gouvernement a choisi et c'est bien la paix dans le pays pendant qu'il a déchouqué Bandio ou si monsieur c'est pas la paix avec monsieur vivant sans mieux. C'est des questions qu'on a posées des Sivenes. La situation, je dis, c'est vrai que je me dis ça plusieurs fois. Jimmy Cherizier alias Barbecue, dans tête li, conseiller présidentiel, chef gouvernement, conseiller présidentiel, mais toujours tout ça, c'est au même petit matériel de yo. Bon, en plus, il faut aller parler, c'est ça qu'elle dit. Et c'est ça qui fait confiance.
que autorité de devine dans négociation avec lui. Et un pile fois les PM gars qui a parlé, nous t'a dit quel gain pressentiment pour gang yo. Vous comprenez ça me dit ça? C'est parce que ou c'est chef ou c'est autorité ou c'est premier des policiers ou pas de droit demander bandi pour déposer les armes pour respecter l'autorité de l'État. En tant que les premiers des policiers, ou par l'ordre formel avec le directeur général de la police, avec l'inspection générale de la police, avec direction administrative de la police, pour y prendre les dispositions nécessaires, mobiliser les moyens adéquats et nécessaires pour permettre que le marché prenne bandit ou mettre bandit dans le lieu. Mais nous avons des bandits pour respecter l'autorité de l'État, pendant ou même que c'est chef de l'État, ou pas imposer pièces conditions pour respecter l'autorité de l'État, là ça le permet qu'un pile monde a privé comprendre que aucun sympathie. En jargon, en parabole, que vous essayez donc de partager avec Gagnon pour au moins que vous parlez en prison. Ou bien pour ne pas être victime dans le cadre d'affrontement que vous même vous parlez pour faire avec la police. Dans le niveau que barbecue a parlé, ou au niveau barbecue pendant question de dialogue, barbecue parle pour le faire guerre, la situation. Qui ça qui explique ça? Ou parle que barbecue fouille on s'est mis des gros trous que nous cabrons les piscines. Vous imaginez, l'État haïtien n'a pas assez de ressources, ok? Quelles sont les ressources matérielles, quelles sont les ressources humaines? Dans la question route, songez, ministre qui s'est passé là, qui a le contrôle, ministre transport et communication. Monsieur passé, il n'a pas bouché un trou.